Gaston, je vous confie ces messieurs. Merci. Merci. Bonjour, chère madame. Et l'opéra, ça va? Très bien, très bien. Je m'excuse, mesdames. J'ai un mot à dire dans le particulier à notre cher Roger Martin. Alors, vous nous revenez de Oh, n'y comptez pas trop, ce sera sûrement le mot le plus long de la langue française. Excusez-nous. Mesdames. Mon cher, il faudrait que vous donniez un coup de collier pour quelques semaines. Un sérieux coup de collier? J'ai l'impression d'être traité de cheval. Soyez sérieux, mon cher Martin. Et écoutez-moi. J'ai une chose à vous proposer. Vous partez pour le Nord. Décidément, vous y tenez. J'y tiens. J'y tiens parce que je sais que vous ne vous en tirerez pas si vous restez à Montréal. À Montréal, où il y a Monique. Il y a aussi la question des illustrations. C'est pourquoi j'ai pensé à une solution. Et c'est grâce à une coïncidence. Chère coïncidence. Mais oui. Il se trouve qu'Hélène Clément habite à Sainte-Adèle une pension tenue par ses sœurs. Qui est-ce, Hélène Clément? Ben, je vous l'ai déjà dit, c'est votre illustratrice. Et elle tient pension, cette chère jeune fille? Ses sœurs tiennent pension. Et elle habite avec elle. Justement, vous pourriez lui remettre votre manuscrit à mesure. Comme ça, elle pourra me donner les illustrations en temps utile. Autrement, elle n'y arrivera pas. Surtout au train que vous allez. Puis vous seriez très bien, l'Ermitage. Vous connaissez peut-être? Non. C'est très bien, exactement ce qu'il vous faut. Une demi-douzaine de chambres, bonne cuisine et le grand air, surtout, dont vous avez grandement besoin, mon cher. Et vous, la santé, ça va? Assez mal, merci. Et c'est votre faute. Allez, venez. Je ne vous en dis pas plus long. Vous me direz ce que vous avez décidé tout à l'heure. Merci. Et merci pour l'intérêt que vous manifestez à ma santé. Et merci pour tout. Tu es là? Nous arrivons presque. Je suis venu avec Monique et Mathias. Où est-elle, cette chère Monique? Je ne sais pas. Avec Mathias, je crois. Dis-moi, Roger. Oui? Monique. Monique? Quoi, Monique? C'est fini. Tu ne l'aimes plus? Pourquoi tu me demandes ça? Bon, je ne sais pas. Pour savoir. As-tu une raison? C'est important que tu saches. Oui. Pauvre Marcel. Excusez-moi, mon cher monsieur Genet. J'ai réussi à convaincre Monique de nous chanter quelque chose. Et elle me demande si vous voulez bien l'accompagner. Mes chers amis, Mademoiselle Monique Fontaine a consenti à nous faire le très grand plaisir de l'entendre chanter expressément pour nous. Et qui sommes ses plus grands admirateurs et amis. Jardin d'automne.
sous un desséché, parmi le foin, à la faveur d'un peuplier, nous nous aimerons en secret. Très bien. Marcel. Marcel? Marcel est dans le sac. Oh. Entrons ici. J'ai pleuré de vraies larmes. Mon cœur battait du rythme de l'amour. J'ai trouvé des mots qui m'ont étonnée moi-même. Tu en aurais été émue autant que moi. Même autant que lui. Je commence à me demander si je ne pourrais pas en écrire vraiment des chansons. Ce que l'amour peut rendre bête. Oh, je l'ai eu du premier coup. Mais pour comprendre, il aurait fallu que tu aies vu la scène. Mais viens, tu me raconteras tout ça en détail ce soir. Pour l'instant, on devrait s'inquiéter de notre absence. Du moins de la tienne. Mais je ne t'ai pas encore dit bonjour. Attends. Je dois d'abord te dire que j'étais derrière la porte une bonne minute avant d'entrer. Tu as peur. Tu es laide de peur. Ta sale âme suit sa peur par tous les pores de ta peau. Il n'y a plus de phare qui tienne. Il n'y a plus de masque d'ange. Je te vois nu maintenant. Mais c'est pas beau. Saloperie. Mais tais-toi. Tais-toi, je t'aime. Laisse-moi t'expliquer, tu as mal compris. C'est Marcel qui m'a déclaré son amour. Je lui ai ri au nez. Tu me fais mal. Saloperie. Oh, monsieur Martin. Bonsoir.
Allô? Oui? Certainement. 15 jours. Oui. Ce soir. Bien, nous vous attendrons. Monsieur? Monsieur Roger Martin. Bien, monsieur Martin. Oh, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas? Monsieur Roger Martin. Roger Martin? Mais c'est peut-être le romancier. Il s'est décidé à venir. Ce sont ces livres que monsieur Duval m'a demandé d'illustrer. Mais tu ne nous avais rien dit. Je suis sûre que c'est lui. Il parle comme un acteur. Il est surtout beau comme un acteur, n'est-ce pas? Oh, je n'en sais rien, je ne le connais pas personnellement. Il vient peut-être chercher l'inspiration de son prochain roman. Est-ce que vous croyez vraiment que ces bêtises-là s'inspirent de la vie? Mais il paraît qu'il a toute une clientèle de femmes du monde. Ah. Roger Martin et votre nièce Monique, on ne les voit jamais l'un sans l'autre. Mais alors, ce serait lui? Elle vous a parlé de lui? C'est-à-dire qu'elle nous a parlé de quelqu'un, mais sans nous dire son nom. Moi, je suis sûre que c'est Sergueux. Mon Dieu, il vient peut-être pour faire la grande demande. Voyons, c'est dans ton imagination. Par ici, monsieur Martin. Vous êtes mademoiselle Clément? Oui, merci. Et c'est vous qui allez illustrer mes œuvres? Non, c'est ma sœur. Ah? Voici ma sœur Sophie. Enchantée, mademoiselle. Enchantée, monsieur Martin. Vous savez, je les ai tous lus, vos romans. Ah, c'est vous qui? Non, c'est ma sœur Hélène. Et comment va Monique? Pardon? Monsieur Martin. Monique va bien? Voici ma sœur Hélène. Mademoiselle? Monsieur Duval vous a prévenu de mon arrivée, je crois. Oui, en effet. Mais tu ne nous l'avais pas dit, Hélène. J'ai oublié. D'ailleurs, ça n'était pas sûr du tout. Monsieur Duval a usé d'arguments péremptoires. Mais je vous en prie. Laissez, laissez. Je préparerai votre chambre. Si j'ai bien compris, monsieur Duval, c'est vous qui avez proposé cet arrangement. Je vais d'abord vous remercier. C'est très gentil chez vous. Mais je n'ai rien proposé du tout. C'est monsieur Duval qui a eu cette idée. Je ne me rappelle même pas l'avoir approuvé. Et cette idée vous déplaît? Vous êtes dans une pension, vous n'aviez pas besoin d'être invité. Vous pouvez même vous asseoir. J'ai l'impression d'avoir très mal pris le départ. Où croyez-vous aller? Et c'est vous qui allez illustrer mes romans? Si vous les écrivez. Mais je suis venu pour ça, justement. Il paraît même... que vous voulez que je vous passe à mesure ce que j'écris? Vous avouerez que j'ai quand même le droit de savoir un peu ce que je devrais illustrer. Je ne veux pas avoir l'air de vous montrer votre métier, mais je suis sûr que ce n'est pas nécessaire. Mais moi, figurez-vous, j'ai la prétention d'être consciencieuse. Pardon, Hélène. Ah, bonjour, Denise. Vous venez de rentrer? Oui. Et je voulais simplement vous dire bonsoir. Mais j'oubliais que je vous dérangeais. Mais pas du tout. Monsieur Martin, mademoiselle Denise Leroyer. J'étais sûre de vous avoir reconnu. J'ai vu si souvent votre photo dans les journaux et j'ai lu tous vos romans. Mademoiselle, je vous remercie. Excusez-moi. Je voulais simplement vous dire bonsoir, Hélène. Bonne nuit, Denise. Bonsoir, monsieur Martin. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que vous la méprisez? Oh, celle-là, vous savez, je ne suis pas sûr qu'elle les ait vraiment lues. Sais-tu ce que je pense? Non. Ça peut pas être autre chose. Quoi? Ça peut pas être autre chose. Je suis sûr. Quand on lui a parlé de Monique, ouais, on l'a pris par surprise. C'est pour ça qu'il savait pas quoi dire.
C'est une affaire arrangée avec Monique. Tu crois? Si Madame Leroyer n'avait pas été ici, on ne serait jamais douté de rien. Mais qu'est-ce que c'est, ton idée? Rappelle-toi sa lettre. Ouais. Est-ce qu'il ne nous disait pas qu'elle nous annoncerait une grande nouvelle bientôt? Oui, évidemment. Ça avait beau être à mot couvert, il n'y a pas de doute possible. Elle était amoureuse. C'est quoi? T'as entendu ce que Madame Leroyer a dit? Ils sont toujours ensemble. J'y pense. Ils ne savaient peut-être pas de quelle Monique nous parlions. Après tout, il peut bien ne pas lui avoir dit qu'il allait à Sainte-Adèle. Il ne sait peut-être pas que nous sommes ses tantes. Alors, il faudrait lui dire. D'un autre côté, si ce que tu penses est vrai, si c'est une surprise que Monique veut nous faire, hein? Ouais, c'est vrai. Faut rien dire. Non. Laisse-moi faire. Je trouverai bien un moyen pour tout savoir sans qu'il s'en doute. Bon ben, bonsoir. Bonsoir. Fâchez-vous pas, hein, monsieur Martin. Je savais que vous vouliez pas, mais je vous ai apporté tout de même du café. C'est pas chrétien de travailler comme ça sans rien prendre. Vous êtes bien aimable, mademoiselle Clément. Et je vais prendre votre café avec grand plaisir. Tenez, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais je peux déjà vous en donner. Oui. Mmh, il embaume. Vous la connaissez peut-être? Oui. C'est Monique. Monique Fontaine, c'est notre nièce. Oui, je la connais. Elle est jolie, hein? Oui, très jolie. Vous la connaissez depuis longtemps? Depuis longtemps. Depuis un an. Oui. Oh, ben, je me sauve. Je viendrai chercher le plateau tout à l'heure. Merci. Elle vous a pas dit qu'elle viendrait nous voir? Non, non. Je crois qu'elle va venir bientôt. Eh ben. C'est ça. Quoi, ça? T'aurais dû l'entendre. Surtout, t'aurais dû le voir. J'étais rouge, jusque derrière les oreilles. Non. Ils croyaient que j'avais découvert leur petite surprise. Tu es sûre? Ben, il n'y a pas de doute. Si tu l'avais vu, quand j'ai mis la photo sous le nez, il a failli avoir un coup de sang. Puis, quand j'y ai demandé si elle connaissait, ça a failli l'étrangler. Je serais tellement contente de l'avoir mariée. Je crois pas qu'on ait à attendre bien longtemps. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas encore descendu pour déjeuner. Tu vas déjeuner toi aussi? Oui. Non. Non, je vais attendre, j'ai pas assez faim. Thank you.
faire un tour. Par là. Par là. Merci. Bonjour. Bonjour, M. Martin. Bonjour. Vois-tu? Je monte. Tu passais. Mais tu es folle. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez? Uh-huh. Vous prenez l'air? Oui, je veux faire du ski. Je ne suis pas folle. Mais Denise! Ah non, je crois que vous êtes mieux de vous louer des skis et de vous adresser ensuite au moniteur. Pourquoi? Parce que comme ça, si vous renoncez, vous ne resterez pas avec une paire de skis sur les bras. Ah ah! Vous achevez? Pourquoi? Parce que vous feriez vous-même un très gentil moniteur. Bonjour! Ah, tenez, mademoiselle Le Royer va s'en faire un plaisir. Elle va vous conduire mieux que moi et surtout, elle peut vous consacrer plus de temps que moi. Moi, j'ai du travail. Ou du moins, je compte en avoir de vous. Vous en aurez. Mademoiselle, vous seriez bien gentille de me conduire à une boutique où je pourrais me procurer des skis. Oui, certainement, avec plaisir. À tout à l'heure. Bonjour. Mais je te remercie pour la peinture, j'en manquais. Je croyais que t'attendais qu'il te passe au manuscrit avant de pouvoir travailler. En attendant, je fais autre chose. Il me plaît, ce garçon-là. Il va venir tout à l'heure. Ça te fait rien? Moi, je travaille. Vous vous arrangerez avec lui. Ce serait peut-être mieux d'en faire autant. Je crois que c'est toi qui le distrais. Capitaine, si vous continuez, vous allez me brouiller pour de bon avec M. Martin. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, vous le savez très bien. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh, vous savez, je ne suis pas incapable de saisir vos allusions. Elles ne sont pas tellement subtiles, d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous montrer toute ma collection. Attendez. Je veux d'abord voir celui que vous faites en ce moment. Oh! Il est beau! Heureusement que vous avez autre chose à faire. J'aurai des remords. Vous pouvez en avoir quand même. Non, mais sérieusement, je fais mon possible. Mais ça ne marche pas, ça ne marche plus. Tiens, je croyais pourtant que le secret de votre métier, c'était justement de n'avoir pas besoin d'inspiration. Jusqu'ici, c'était comme ça. Et ça n'est plus le cas. Mais c'est de votre faute. Est-ce que je dois y comprendre quelque chose? Je vais vous expliquer. Avant, je savais que vous ne lisiez pas mes romans. Alors je faisais un métier, comme vous dites, qui n'avait rien de déshonorant. Pour ça, je n'avais pas besoin d'inspiration, comme vous dites. Il était même nécessaire que cette dame ne se mêle pas de mes affaires. Mais voilà, maintenant je sais que vous allez lire tout ce que j'écris, alors ça m'intimide. Vous avez tort d'attacher à mon opinion plus d'importance qu'elle n'en a. Qu'elle devrait en avoir. On n'est pas maître de ses sentiments. Ils vous envahissent sans vous demander permission. Et alors il ne faut pas croire que ses propres sentiments commandent ceux des autres. Les miens, par exemple. Hélène?
te remercie, ma petite Hélène. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous tenez vraiment à pas commencer la visite de mes bateaux? Au contraire. Comme ça, vous connaissez Monique? Oui, je la connais. Il paraît même que vous êtes de grands amis. J'avais l'intention de vous donner des précisions à ce sujet. À mon arrivée, j'ai été pris par surprise. Je ne savais pas de quelle Monique on me parlait. Oui, je sais. Mais depuis, j'ai dû me rendre compte. Mademoiselle Sophie m'a donné des précisions. Je sais que Monique est la cousine de Mademoiselle Clément. Sa nièce. Je pensais à Hélène. Mais Hélène aussi est la tante de Monique. Ah oui. Je veux dire que Duval m'avait bien dit qu'Hélène habitait une pension tenue par ses sœurs. Voilà. C'est-à-dire ses demi-sœurs. Le père se mariait sur le tard. Mais Hélène a 28 ans, vous savez. 28 ans? Mais oui. Je le dis parce qu'elle s'en cache pas elle-même. Vous aurez tort de lui reprocher ses 28 ans, moi qui en ai 35. Et vous croyez qu'à vous deux, ça fera une bonne moyenne, n'est-ce pas? Croyez-vous que je peux espérer réussir cette opération mathématique? Où en êtes-vous? Je vous le demande. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Elle est sur la défensive. Si je connais quelque chose à la psychologie féminine, et si je vous comprends bien. Vous me comprenez très bien. Ben, je crois alors vous avoir appris une bonne nouvelle. Complice? Minute. Il faut d'abord régler le cas de Monique. Je suis un vieil homme. J'ai le droit d'être indiscret avec la jeunesse. Et puisque vous me demandez de devenir votre complice, j'ai bien le droit de savoir. Parce que je l'aime bien, ma petite Hélène. Vous avez raison. Et je vous dirai exactement ce qu'il en est. Allô? Bonjour. Oh, c'est toi? Comme tu es gentil. Dis donc, chérie, tu es malade. Ta voix. Tu avais la voix un peu voilée pour me dire que j'étais gentil. Mais non. Ne le prends pas mal, je blaguais. Puis tu sais, tu ne m'as pas habitué aux attendrissements. C'est peut-être parce que j'avais peur d'être ridicule. C'est vrai, mon chéri? Eh bien, dis-moi que tu m'aimes. En attendant, je peux te dire que je t'adore. Bon, je sais très bien que ça ne veut pas dire la même chose. Alors, tu viens ce soir? Au dernier spectacle seulement? Tu n'as pas encore commencé? Oh! Oh! Et comment l'a-t-il pris? Alors tu travailles ce soir? Mais oui, j'attendrai au second spectacle, tout simplement. À tout à l'heure. Tiens, voici pour toi. À tout à l'heure. Marie.
Marie-Paul cherche un mari. Son père lui dit, Marie, Marie-Paul te marie pas à Paul, mais plutôt à Léger, le fils de l'horloger. Palais, palais, c'est vrai, Léger, plus sérieux. Et voilà que Marie-Paul et que Paul se marient. Ah, quelle confusion, vous voyez ça? Marie-Paul qui épouse Paul. Non, vraiment, ça ne pouvait pas durer. Fallait s'y attendre. Marie-Paul sont malheureux tous deux. Marie-Paul trouve que Paul fait un mari léger. Elle regrette à présent sa peau très léger. Travaille tout léger chez son père l'horloger, comptant les heures tristes de Paul et de Marie-Paul. Entrez. Admire si tu veux, mais ne touche pas. C'est vrai. J'oubliais. J'oubliais que je suis le manager et que je n'ai pas le droit d'être un homme. Mon cher, il faut choisir entre tes 25% et le droit d'être un homme. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Tu as vu Marcel? Oui. Ça marche? Je crée ta chanson ce soir, mais il n'a pas encore consenti à ce que j'en prenne le crédit. T'as pas fait le boniment? Oui, très mince. Je t'aurais cru plus forte que ça. Et quelle attitude a-t-il eu? La surprise. Oui, tu le connais, il s'est exprimé par des balbutiements. Après tout, ce garçon languit d'amour pour toi. Si tu ne réussis pas ton coup, tant pis, moi je m'en lave les mains. S'en laver les mains, c'est facile à dire, et surtout à faire. Mais moi, tu me demandes d'obtenir de Marcel qu'il compose ses chansons, m'en cède les droits, et de plus permettre que je dise que ses chansons sont de moi, rien que ça. Tu aurais dû penser que si tu n'obtiens pas tout ça, Harry, si les disques deviennent une affaire banale. Et oui, évidemment. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est très bien. Mais c'est toi qui dois le trouver, toute seule, ma petite Monique. André? Oh! Oh, pardon! Mais entre, idiot! Madame, je crois que la rose est la fleur. Mon cher Marcel, je peux être sûr que tu m'as agréablement surpris. Oh, monsieur, vous ne m'aurez pas par la flatterie. Mais il faut que je te dise que ta chanson est très bien. Ah, tu l'as entendu? Monique me l'a chantée. J'étais emballé, presque autant qu'elle. Mais je viens seulement d'apprendre que tu lui avais donné ta chanson. Donné? Enfin, vendu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Je m'exprime peut-être très mal. Est-ce que tu ne lui as pas donné ta chanson à Monique? Pour la créer, oui, mais sous son nom. Il en a été question, mais... Mais naturellement. Tu as mal compris, Mathias. Je ne t'ai jamais dit autre chose que ce que Marcel te dit. Nous en avons parlé, mais c'est tout. J'espère que tu me crois, Marcel. Naturellement. Alors, j'ai mal compris. Je m'excuse. Seulement, c'est embêtant. Je viens de voir Harris et stupidement, je l'ai mis au courant de ce que... Au lieu de deux disques par année, c'est deux disques par mois qu'il t'offrait. Il y a des conditions deux fois plus avantageuses. Maintenant, j'imagine que même pour les deux disques par année, c'est raté. Eh bien, tu as eu tort d'imaginer des choses. Je m'excuse encore une fois. Je vais essayer de sauver les restes. Il y a peut-être moyen de sauver les deux disques par année. À tout à l'heure. Tu y tiens beaucoup au contrat de Harris? J'y tenais. J'y tenais comme on tient une affaire.
Mais puisqu'il n'y a plus d'affaires, je n'ai plus de regrets. Je suppose que tu ne comprends pas. Mais quoi? Ben, que j'hésite à te donner ma chanson. Mais non. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas te faire plaisir? Plus que personne, puisque tu es mon meilleur ami. Mais ce n'est pas une raison. Eh bien, laisse-moi y penser. Je ne veux pas. Laisse-moi faire. Je suppose que tu vas consulter Roger. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je consulte Roger? Oh, je ne sais pas, je disais ça. Je suis assez grand pour prendre mes décisions moi-même. Peut-être. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous aurez le plaisir d'entendre Mademoiselle Monique dans quelques instants, Monsieur Harris. Bonsoir, Victor. Tiens, bonsoir, Monsieur Martin. Monsieur Mathias m'a demandé de vous conduire à sa table. Mathias? Oui, il est avec Monsieur Harris. Bon. Bonsoir. 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 Monsieur Harris, je suis Roger Martin. Enchanté. Enchanté. Donc, vous prenez quelque chose? Merci, oui. Mes chers amis, je vais vous chanter une nouvelle chanson. Une chanson que j'ai le plaisir de créer. Un plaisir mêlé d'un peu, de beaucoup d'appréhension, d'angoisse, parce qu'il faut bien que je vous l'avoue, cette chanson, eh bien, cette chanson, elle est de moi. Mes chers amis, voici les lumières de ma ville. Saviez-vous? Qui rougeoie
de tendresse et de bonheur, de théâtres embrasés, d'ombres chinoises aux fenêtres, comme une nuit de Noël, me réserve des surprises. Ce sont dans mon cœur en fête les lumières de ma ville. Rassurez-vous, je ne brouillerai pas votre jeu. Et tous les deux sans dire un mot, comme nous aimons regarder briller sur la ville endormie, le feu discret de notre amour. Le mystère de la vie se tisse au cœur de la nuit, car demain tout renaîtra, rien que pur au soleil. Mais ce soir plus rien ne luit de la lune dans le ciel, et dans tes yeux doux et grands la lumière de ma ville. Chère Monique, je te présente M. Harris. Enchanté, M. Harris. Mon ami Mathias m'avait dit beaucoup de bien. Mais je croyais qu'il exagérait, comme cela lui arrive souvent. Et maintenant? Maintenant? Je trouve qu'il a été beaucoup trop modeste. Fallait bien que je reste plausible. Mon cher, je vous en voudrais toujours de ne pas m'avoir dit que Mademoiselle Fontaine écrivait ses propres chansons. Ah, mais c'était ça la surprise. Tu sais, mon chéri, que M. Harris va me faire faire des disques. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Vous en avez écrit plusieurs déjà. C'est la première fois que je crée. De cette qualité-là, je les prends toutes. $5,000 de publicité par mois pour vous lancer. Deux chansons par mois? Monsieur Harris, laissez-moi convaincre Monique. J'irai vous voir demain. Oubliez les affaires pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Mademoiselle Fontaine. J'ai deux mots à dire à un ami. Je vous interdis de parler affaires. Le manager, vous savez, c'est moi. À tout de suite. C'est moi qui traîne. Oh, jamais de la vie. Barman. C'est pas ta chanson à toi qui a eu du succès. J'espère que tu ne blagues pas. Parce que tu sais, c'est ta chanson qui a plu au public. Si on peut dire. Malheureusement, ce n'est pas possible pour demain. J'ai un cocktail chez l'éditeur de Roger. Vous êtes écrivain? Roger Martin? Oui. La nouvelle Monique, c'est toi qui l'auras faite. Eh bien, on se sera fait mutuellement. Monique commence déjà à s'apercevoir que tu es là. Hein? Tu ne te rends pas compte, toi. Et moi,
vous observe tous les trois. J'ai vu des choses. Si t'as vu quelque chose, t'as vu que Monique aime Roger. Et que moi, je l'amuse. Des fois. Pourquoi Roger serait-il jaloux de toi? Alors Alors il est fou. Non, justement, il n'est pas fou. Il se rend bien compte qu'ayant tant de choses en commun, toi et Monique, ça devient dangereux pour lui dès qu'elle commence à s'intéresser à toi. Et surtout maintenant qu'il y a cette nouvelle combine entre vous deux. Je te préviens, Roger va peut-être te faire la tête. Je crois qu'il est un petit peu vexé parce que tu n'as pas consulté. Hein, ce cher Roger a tellement l'habitude de te traiter en petit garçon qu'il va peut-être te reprocher d'avoir, pour une fois, pris une décision sans lui. Ça ne me regarde que moi. Je ferai ce que je voudrais. Et si ça me plaît de donner toutes mes chansons à Monique, je n'ai pas de permission à demander ni à Roger, ni à personne. Bravo. Ça faisait longtemps que je voulais t'entendre parler comme ça. Il est prêt à lancer Monique. Évidemment, ses propres chansons. Enfin, c'est-à-dire les tiennes. Avec ta facilité, 2 chansons par mois, ça ne te fait pas peur, hein? 2 chansons par mois. Y a rien que ça. Tu es bien gentil de me prévenir. Qu'est-ce que vous écrivez? Excusez-moi. Où vas-tu? Je reviens tout de suite. Je ne l'ai pas vexé. Oh, mais non. Marcel? Marcel? Vous voulez rentrer, alors je l'ai mis dans un taxi. C'est vous qui avez eu cette idée stupide? Quelle idée? Vous le savez bien. Mais non. Non seulement c'est stupide, mais c'est malhonnête. Vous n'aviez pas le droit d'amener à cela. Et Monique n'avait pas le droit d'accepter. Ah, c'est ça. Ce n'est pas à moi qu'il a donné sa chanson. C'est à Monique. Ça m'étonne que vous ayez l'air de me le reprocher à moi. Que se passe-t-il? Ce serait peut-être à toi de me le dire, ce qui se passe. Mais je ne comprends pas. Monsieur Martin s'imagine des choses. Une conspiration de mélodrame pour dépouiller Marcel de ses chansons. Explique-lui donc que Marcel n'avait pas le couteau sur la gorge quand il t'a offert cette combine. Tu croiras peut-être, toi. Mais qu'est-ce que tu t'es imaginé, mon chéri? Ça s'est fait à la dernière minute, presque spontanément. Il en avait des questions, mais j'avais repoussé l'idée. C'est Marcel qui a insisté. J'ai cru que je pouvais. C'est dans l'intérêt de Marcel, tu sais. Oui, voyons. Excusez-moi tous les deux. Excusez-moi si je n'ai pas compris tout de suite. Marcel vous fera peut-être des excuses, lui aussi. Car il ne semble pas avoir compris, lui non plus. Mais pourquoi es-tu si méchant, mon chéri? Je t'assure. Et puis non. J'aime mieux aller leur crier à tous que je les ai trompés. Que la chanson n'était pas de moi. J'aime mieux mettre fin à ma carrière. Vous ne pouvez pas faire ça, ma chère Monique, sans consulter Marcel. C'est un accord à deux, un accord purement business. Les affaires sont les affaires. Tu rentres? J'ai sommeil et j'ai à travailler. Oui, mon chou. Je t'attendrai au vestiaire. Oh, je viens tout de suite. Je crois que les affaires vont bien. Je pense que c'est arrangé pour les chansons à venir. Je suis même presque sûr que Marcel ne dira rien à Roger. Mais je te préviens,
J'ai été obligé de lui faire comprendre à mi-mot que tu te mourrais d'amour pour lui. Mais tu es fou. Je te préviens, je ne sacrifierai pas Roger à ta combine. Ma combine? En tout cas, tu es prévu. Et laisse-moi te dire que jusqu'ici, tes idées n'ont pas été très brillantes. C'est une farce qu'il nous fait, hein? Oui! Tu es bête. Je l'ai fait peur, hein? Non, non, pas du tout, voyons. Tu es blême, Mathias. Ça aurait gâté vos projets et les choses et notre amitié. Hein? Il avait fallu que je sois vraiment mort. Non, non, voyons. C'est... Mais oui, mort. Plus de chansons. Plus de chansons, plus de contrats. Voyons, Marcel, qu'est-ce qui te prend? Hier était hier. Mais aujourd'hui, autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il doit être tard et qu'il y a le cocktail. Allez, vite. Dors, il faut que je m'habille. Regarde notre sauce. Il y a du rogis là-dessous. À moins, évidemment, que ce soit une autre de ces blagues. Je suis sûr qu'il rêve. Qu'il rêve qu'il n'est pas la poire qu'il est. Il n'est qu'à moitié réveillé. Je veux cette chanson. Et je veux toutes les autres qu'il fera. Alors décide-toi à prendre les grands moyens. Va-t'en. Va-t'en et ne reviens pas avant une demi-heure. Je suis partagé entre l'admiration et la peur. Tu reviendras nous prendre. Marcel, c'est encore mieux. Cette fois, c'est vraiment formidable. Où est Mathias? Il s'est souvenu subitement qu'il avait oublié quelque chose. Un rendez-vous, je ne sais pas. Mon cœur est plein de langueur, comme la brise du soir, comme le ciel lourd. Mon cœur est plein de regrets, comme la bruine de mai. À quoi pensais-tu quand tu as écrit cela? À quoi pensais-tu? À qui pensais-tu? Mon cœur est plein de regrets, comme ma chanson d'amour déçue. C'est donc vrai, Marcel, que tu m'aimes? Mais pourquoi ne me disais-tu pas? Est-ce que je pouvais savoir, moi? Tu as toujours été très gentil, très tendre, très bon. Est-ce que je pouvais deviner que tu m'aimais? Tu n'as jamais cherché à m'émouvoir. Tu as toujours cherché à me faire rire.
Oh, Marcel, pourquoi n'as-tu jamais trouvé le courage de me dire ces mots très simples que j'attendais depuis si longtemps? Depuis le jour où tu m'as apporté des fleurs chez moi, tu te rappelles? Le jour où j'étais si triste. C'est ce jour-là qu'il fallait parler. Il a fallu que j'apprenne que tu m'aimes par hasard. Dans les mots d'une chanson que je risquais de chanter sans comprendre que c'était moi que tu pleurais. Alors que je croyais être la seule à pleurer. Oh, je t'aime, Marcel. Entends-tu, je t'aime, je t'aime. Pauvre Marcel n'y a vu que du feu. J'ai joué la sincérité, j'ai pleuré de vraies larmes. Mon cœur battait du rythme de l'amour. J'ai trouvé des mots qui m'ont étonnée moi-même. Tu en aurais été émue autant que moi. Même autant que lui. Je commence à me demander si je ne pourrais pas en écrire vraiment des chansons. Ah, ce que l'amour peut rendre bête. Je l'ai eu du premier coup. Mais pour comprendre, il aurait fallu que tu aies vu la scène. Mais viens, tu me raconteras tout ça en détail ce soir. Pour l'instant, on pourra s'inquiéter de notre absence, du moins de la tienne. Mais je ne t'ai pas encore dit bonjour. Attends. Je dois d'abord te dire que j'étais derrière la porte une bonne minute avant l'entrée. Tu as peur. Tu es laide de peur. Ta sale âme suce sa peur par tous les pores de ta peau. Il n'y a plus de phare qui tienne. Il n'y a plus de masque d'ange. Je te vois nu maintenant. Et c'est pas beau. Saloperie. Mais tais-toi, je t'aime. Laisse-moi t'expliquer, tu as mal compris. C'est Marcel qui m'a déclaré son amour. Je lui ai ri au nez. Oh, tu me fais mal. Bonsoir. Salut et fraternité. Ça ressemble plus à Lumière de ma ville qu'à ton ancien genre. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est pour Monique, je suppose? Tu ne me vois pas chanter ça? Et elle sera d'elle, celle-là aussi. Pourquoi pas? Pauvre toi, tu t'en eus. Évidemment, nous sommes des amis. Tu n'es pas obligé de ménager mes sentiments. Excuse-moi, je me suis imaginé que je pouvais te parler ce soir comme hier. Je ne vois pas pourquoi tu me fais la tête. Évidemment, j'aurais dû te consulter, mais tu avoueras que je n'étais pas obligé de le faire. Non, tu n'étais pas obligé de me consulter. Tu n'étais même pas obligé de me le dire. Mais permets tout de même que je m'étonne. Monique est une jolie fille, pas sotte, qui dit gentiment la chansonnette. Mais comme auteur de Lumière de ma ville, elle me fait l'effet d'une dinde parée de plumes de paon. Et te rends-tu compte de ce que tu dis? Parfaitement. Alors, Monique, ce n'est plus chasse gardée?
Aurais-tu l'intention de te mettre sur les rangs? Pourquoi pas? Puisque tu ne sembles plus intéressé. Ma parole, je crois que tu es sérieux. Je suppose que tu trouves ça ridicule que j'ai la prétention de te succéder. Tu n'es pas de force, mon pauvre Marcel. Toi, elle te ferait souffrir. C'est vrai qu'il y a des années que je te laisse me traiter en petit garçon. Et tu me ferais plaisir si tu y renonçais. Eh ben, mon vieux, ce sera comme tu voudras, et je te souhaite bien du plaisir. J'y pense. Tu n'étais pas tout à fait à l'aise avec moi quand je suis rentré. Avais-tu des remords? J'avais tort de t'en faire. Parce que c'est ça. C'est ça qu'ils ont trouvé pour t'amener à consentir à cette transaction dégoûtante. Elle t'a fait la grande scène de séduction. Je sais pas ça. Non, attends, je vais deviner. Je parierais que Mathias a pris son ton le plus confidentiel pour te dire que depuis quelque temps, Monique parle plus souvent de toi et qu'elle lui a fait certaines confidences qu'il ne peut te répéter par discrétion, évidemment. C'est bien ça, hein? Il t'a même laissé entendre que je te traitais en petit garçon. Ce sont les mots mêmes que tu as eus tout à l'heure. Est-ce qu'elle est allée jusqu'à t'embrasser? Tu me dégoûtes. Et voilà. Je suis bien content de vous avoir tout dit. Complice. Merci. Maintenant, il faudra pas que Monique se mette à vous aimer sérieusement. On fait une descente? Oui, ma petite Denise. Alors on prend le skito? Oui. Non, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous permettez? Je vous en prie. Vous avez changé d'idée? Oui. Je voulais travailler, mais ça ne donnait pas. Ah ah.
Il n'y a pas moyen. Rentrons. Très bonne idée. Vous savez, je crois que j'ai fait de la peine à Denise. Je ne savais pas qu'elle était susceptible. Je ne sais pas si elle est susceptible, mais je sais qu'elle est très sensible. Très sensible et très malheureuse. Je vais en profiter pour vous donner une explication que je vous dois peut-être au sujet de Monique. Je crois que vos sœurs et vous avez tiré des conclusions. Si ça peut vous rassurer, je peux vous dire que pour ma part, je n'en ai tiré aucune. Il n'y a plus rien entre Monique et moi. En tout cas, quand je suis arrivé ici, il n'y avait déjà plus rien. Et cela, je tenais à vous le dire. Vous n'étiez pas obligé. Votre vie privée ne nous regarde pas. Je voulais dissiper tout malentendu. Vous avez raison. J'expliquerai tout à mes sœurs. J'espère qu'elles ne vous ont pas importuné. Oh non. Mais j'étais tout de même surpris d'arriver ici plus tôt, chez les tantes de Monique. Rassurez-vous, j'expliquerai tout à Marie et à Sophie. C'est tout ce que je pense. Je crois que oui. Ah. Tu penses à Denise et à M. Martin. À Denise et à... Mais non. Ils flirtent. Elle se meurt d'amour pour lui. Tu crois que... Heureusement qu'à son âge, peine d'amour n'est pas mortelle. Mais M. Martin ne devrait pas la laisser croire des choses. Mais toi, à quoi pensais-tu? Je pensais à Hélène. À Hélène? Oui. Et M. Martin? Oui. Tu penses que... qu'Hélène aime M. Martin? Ils sont presque toujours ensemble. Oui. Évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Avec M. Martin. Non. Tu l'aimes, hein? On n'aime pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Aimer, c'est peut-être ça, connaître. Aimer, c'est peut-être accepter le risque, petite fille. Mais c'est le bon risque. Non. À la loterie, on gagne aussi quelquefois. Est-ce que vous me conseilleriez d'acheter un billet de loterie? Le mariage, c'est peut-être une loterie où les bons billets sont rares. Mais c'est le bonheur qu'on y gagne. Mais l'amour, le bonheur, ma petite fille, c'est à la loterie du mariage qu'on y trouve. Et puis, c'est pas la même chose. On a le droit de choisir son billet. Est-ce que ça vous aiderait à gagner le gros lot de la loterie irlandaise si vous pouviez choisir votre billet? Eh bien, j'ai eu tort de suivre notre comparaison ridicule. Le mariage, c'est pas une loterie. Un homme, c'est pas un billet de loterie. Voilà.
Vous avez peut-être raison. Quel charmant tableau. C'est Monsieur Duval, il veut vous parler. Il est là? Non, il est au téléphone. Ah, alors j'y vais. C'est pas grave. Hélène vient de dire que j'avais raison. Enfin, que j'avais peut-être raison. Et alors? Ah, ça, je crois pas avoir le droit de vous dire. D'ailleurs, je vous rendrai pas service. Il y a des choses qu'il faut deviner soi-même. Est-ce que je vous comprends bien? C'est bien possible. Mais je vous ai dit que je ne dirai rien. Dites pas plutôt ce qu'il veut à Hélène, Monsieur Duval. Oh, vous voulez tout simplement lui dire bonjour, des choses gentilles. C'est moi qui l'ai attrapé. Et où en êtes-vous? Oh, pas très loin. Vous savez, vous l'embêtez un peu, Hélène. C'est une fille qui aime le bel ouvrage. Le travail bien fait. Luzano, vous m'en demanderez des nouvelles demain matin. Je crois qu'ils sont encore ensemble. Oh, faut pas me mettre dans la tête qu'Hélène. Non. Elle a des idées bien trop arrêtées. Eh oui, mais elle peut changer d'idée, comme tout le monde. En tout cas, si Monique se décide pas à donner signe de vie, surprise, pas surprise, on va lui écrire. Et à qui allons-nous écrire? Sophie voudrait qu'on écrive à Monique. Et pourquoi? Crier à Monique. C'est à son dos. Je vais en avoir le cœur net. Le cœur net? Et à quel sujet? À propos de Monique et M. Martin. Vous n'avez pas encore compris. Vous voulez dire Hélène? Ben oui. Oui, mais Monique. Il n'y a pas question de Monique. Il n'y en a jamais été question de Monique. Non. Excepté dans notre imagination. Ils se connaissent, sont des amis, mais rien plus. C'est Hélène que Roger Martin aime. Hein? J'avais deviné juste. Toi? Ben. C'est-à-dire que c'est toi qui as deviné la première. Mais il ne faut pas qu'Hélène sache que vous l'avez deviné. Ah, oh, pourquoi? Ben oui, pourquoi? Mais parce qu'Hélène lutte encore contre elle-même. Ah, oh, elle l'aime pas. Elle l'aime. Mais elle ne veut pas se l'avouer encore. Bon. Alors, il ne faut pas avoir l'air de s'apercevoir de ce qui se passe. Vous comprenez? Entendu. C'est notre secret. Mais j'ai idée que ça ne sera pas un secret bien longtemps. Oh! Hélène, venez voir la jolie Goélette. Je n'ai pas le temps. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. Je vous écoute. Hélène, vous le savez, n'est-ce pas, que je vous aime. Je sais que vous croyez m'aimer. Je vous aime et j'en suis sûre. Oui, vous m'aimez. Comme vous en avez aimé combien d'autres avant moi? Je n'ai jamais dit je t'aime à personne. Mais à combien l'avez-vous laissé croire? Si je refusais de vous le dire, croiriez-vous que je vous aime? Êtes-vous sûr que d'autres ne vous ont pas cru quand même? Ne vous ont pas aimé quand même? Je ne le crois pas. Mais vous n'en êtes pas sûr. Je vous aime. Est-ce que cela ne suffit pas? Mais combien de temps m'aimerez-vous? Vous n'êtes pas différent des autres.
Pensez à vos amis. Pensez à tous les maris que vous connaissez. Ils ont tous juré un amour éternel. Et où sont-ils ce soir? Vous pouvez le deviner d'ici. Et les meilleurs, ceux que vous avez envie de me citer en exemple pour me prouver que j'exagère. Est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est que d'aimer? Je ne veux pas donner un amour pour bafourer. Et je ne veux pas d'un amour fait de convenance, de tolérance mutuelle et de petites habitudes. Je vais réfléchir. Je vais penser. Non, restez là. Ne dites plus rien. Donnez-moi quelques jours pour réfléchir. Mademoiselle, avec mes hommages et mille choses aimables. Aussi, avec quelques excuses sincères. Et une résolution de faire propos? La main sur le cœur. Ah! Vous n'avez pas écrit tout ça cette nuit? Oh non, j'en avais déjà 7 pages d'écrites. Oh! Vous n'êtes pas raisonnable. Je peux pas faire autrement, c'est la conséquence d'un vœu. Et que signifie cet échange de yades? En tout cas, vous allez faire demi-tour et allez vous coucher. Jamais de la vie. Je l'exige. Je ne pourrais pas dormir. Mais vous n'avez pas dormi de la nuit. Justement, je suis trop fatigué. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je me proposais de vous proposer une petite balade en ski. Voilà. Non, pas maintenant, j'ai du travail. Vous ne pouvez pas travailler toute la journée? Non, évidemment. Alors, oui. Écoutez. Vous allez d'abord aller vous coucher, moi je vais lire ce que vous avez écrit. Et puis alors ce soir, si vous voulez, nous ferons la petite balade en carriole que vous m'avez proposée l'autre jour. Hein? Petite Denise, tu vas me tenir compagnie. Viens, je vais te raconter des histoires, comme autrefois. Je t'ai pas raconté l'histoire de la petite sultane. Et cette petite princesse, qui n'était pas si petite d'ailleurs, c'était une grande fille, une jeune fille comme toi. Elle aurait pu être heureuse. Elle avait tout pour être heureuse. Elle était jolie, comme toi. Je ne suis pas jolie. Pas jolie? Je sais que je ne suis pas jolie. Et où as-tu pris ça que tu n'étais pas jolie? Je le sais très bien. T'es malheureuse, alors t'es injuste. Même envers toi-même. Tout comme la petite sultane, comme elle, t'es pas raisonnable. Au lieu de te contenter de ce que tu as, tu veux la lune. C'est pas la lune que je veux. Tu veux pas que je te raconte mon histoire? C'est pas un conte pour les petites filles, tu sais. C'est un conte pour les grandes personnes, pour les grandes filles. À quoi penses-tu? À rien. À rien.
Nous allons rentrer. À Montréal? Mais oui. Mais pourquoi, puisque je te dis que Denise n'a rien? Nous aurions dû rentrer il y a longtemps. Enfin, mais pourquoi? Mais tu n'as pas rien vu. Tu ne t'es pas rendu compte qu'elle s'est amourachée de Roger Martin? Je le sais bien. Et puis après, c'est de son âge. Je n'aime pas ça. Je l'observe depuis quelques jours. Ça tourne à la neurasthénie. Tu exagères. Mais enfin, si c'est ton idée, je sais bien que je ne t'en ferai pas changer. Quand partons-nous? Demain. Bon. Mais en attendant, nous allons chez les Smith. Il faudrait que tu songes à t'habiller. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut absolument que je vous parle. Il le faut. Vous me parlerez demain? Non. Il faut que je vous parle tout de suite. Écoutez, ma petite Denise, retournez dans votre chambre. Vous me parlerez demain, demain matin, à la première heure. Vous êtes malade? Je ne suis pas folle! Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas folle! Écoutez, Denise, vous savez que ce n'est pas raisonnable. Que ce n'est pas convenable. Tenez, si vous voulez absolument me parler ce soir, descendez, attendez-moi près de la cheminée, je vous rejoins tout de suite. Allez, je viens tout de suite. J'ai un conseil à vous demander. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Denise voudrait peut-être mieux que vous la voyiez. Allez-vous-en, c'est vous qui l'aime. C'est vous qui l'aime. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle.
pauvre Gaspard. Il est joliment amoché. Oui. Comment est Denise? Elle allait beaucoup mieux. Ses parents l'ont ramenée à Montréal ce matin. Elle vous aimait? Denise. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. À quoi pensiez-vous? À nous. À moi, sûrement. Avez-vous pensé que je vous aimais et que vous m'aimez? Eh oui. Cette nuit, quand j'ai vu Denise dans vos bras, bien, je n'ai pas cru. Je n'ai pas pour un seul instant douté. Je sais maintenant que je vous aime. Nous oublions ce pauvre Gaspard. Faut avoir bon pied, bon œil pour naviguer sur l'Atlantique, car il y a beaucoup d'écueils. Des mers du Nord jusqu'aux tropiques. Tenez, moi qui vous parle, j'ai navigué sur toutes les mers du monde. Leur roulis, le tangage, les orages, les naufrages, le mal, donc... Si vous n'avez pas ces choses-là, inutile d'essayer ça. Vous pouvez chanter l'opéra, une bonne paire de bras. Mais... il faut avoir bon pied, bon œil et une bonne dose de sens pratique pour être ministre sans portefeuille ou faire des discours politiques. Mesdames, messieurs, si vous votez pour moi, je vais sur la plage vous en aurez des ponts et tout. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de rivière dans votre comté? On en creusera. Si vous n'avez pas ces choses-là, inutile d'essayer ça. Vous pouvez chanter de l'opéra, oui. Ou avoir une bonne paire de bras. Mais il faut avoir bon pied, bon œil, pour faire face à la musique. Il faut avoir bon pied, bon œil, pour jouer du jazz ou du classique. D'un homme trapu. 3000 pardons, monsieur. J'ignorais que vous étiez, que madame était votre... Mais, non, mais de rien, je vous en prie. Oui, mais oh là 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 là. Si vous n'avez pas ces choses-là, inutile d'essayer ça. Vous pouvez chanter de l'opéra ou avoir une bonne paire de bras. Il faut avoir bon pied, bon œil, quand un homme vous dit... Ma chérie, viens, nous irons sous les tilleuls, voir si la rose, elle a fleuri. Oh, monsieur! Oh, oh, monsieur! Oh, monsieur! Oh! Si vous n'avez pas ces choses-là, inutile d'essayer ça. Vous pouvez chanter de l'opéra. La 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 la
avoir une bonne paire de bras. Mais il faut avoir bon pied de pareil. En toute chose, mesdames et messieurs, et pour éviter tout le sérieux, surtout pas avoir froid. Tu es là. J'ai hâte de parler. Vas-y. Au sujet de Marcel. Je t'écoute. Je ne sais pas si tu te rends compte de la façon dont tu traites Marcel. Il n'est pas assez bête pour ne pas s'apercevoir que tu le traites moins bien qu'avant. Hein? Tu vas me faire le plaisir de ne pas te mêler de ma vie privée. Ta vie privée? Appelle ça comme tu voudras, mais ne t'en mêle pas. Ça s'appelle du business et je m'en mêle. Bon, fais ton petit discours. Et si Marcel en avait assez un de ses jours? Et s'il fallait qu'il s'en aille avec ses chansons? Eh bien, ce serait tant pis. Tu es complètement folle. Peut-être. C'est Roger, hein? Ça ne te regarde pas. Bon. Je comprends ça. Ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Je ne crois pas. Enfin, c'est vrai, ça ne me regarde pas. Oh, laisse-moi. Je ne te demande pas d'aimer Marcel. Je te demande de le lui faire accroire. Après tout, c'est pas difficile, hein? A bit of conversation if I could have a bit of cooperation. Oh, I'm sorry. Have another drink? Yeah, and have one yourself. It may help. Tu veux un autre verre? Bien. Ben, merci. Merci oui ou merci non? Non. Toi? C'est bientôt notre tour. Same thing? Yeah. Excusez-moi. T'as vu la tête de Marcel? Je crois qu'il commence à en avoir assez. Je pars tout à l'heure. Hein? Oui, tout de suite après ma chanson. Ta chanson? Oui, je n'en chante qu'une. Quand tu voudras. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance puisque la boîte ferme à minuit. Et où vas-tu? Tu rentres chez toi? Je t'ai demandé si tu rentrais chez toi. Non, je ne rentre pas chez moi. Bon. Mesdames, messieurs, Monique Fontaine. Plein de langueur, comme la brise du soir, comme le ciel lourd. Mon cœur est plein de regrets, comme la bruine de mai, comme les champs frais de fleurs, on pleure. Comme ma chanson d'amour déçue, comme nos adieux touchants d'avril.
comme nos adieux touchants d'avril. Mon cœur est plein de regrets et de demain soir. Où vas-tu? Je vais à Sainte-Adèle, chez mes tantes. Sainte-Adèle. Bonsoir. What's the matter with her? Elle est fatiguée. I mean, she's tired. Je vais lui parler. Sorry. Oui, je sais que Roger est à Sainte-Adèle. Je sais qu'il est chez mes tantes. Je sais aussi que tu le savais. Cela, je ne te pardonnerai jamais. Bonsoir. Merci. Vous avez raison, capitaine, hein? Oui. Je crois que vos sœurs commencent à deviner. En tout cas, en ce moment, elles se posent des questions. Il va falloir finir par tout avouer. Mais je ne demande que ça. J'ai toute la peine du monde à me retenir, de crier sur les toits. Maintenant, il n'y a plus de secret. Plus de secret. Oh, j'y vais. Toutes les chambres sont louées jusqu'au rouet. Ah, oh, allô, Monique. Oh, oh, joyeux Noël. Joyeux Noël, Monique. De mon cœur. Tu savais que Roger Martin était ici? Mais oui, je le savais. Eh bien, tu vas faire exactement comme s'il était pour toi qu'une vieille connaissance. Oh, tu étais là, la plus jolie de mes tantes. Et toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. C'était Noël, je suis venue. Un jour comme aujourd'hui, je savais que tu serais bien obligée de me pardonner. Eh bien, ma petite Monique, t'arrives peut-être trop tard pour le réveillon, mais t'arrives juste à temps pour apprendre, et en même temps que les tantes, les fiançailles d'Hélène avec M. Martin. Vrai? Oh! Oh, oh Hélène, c'est vraiment... Oh, mes enfants, c'est gentil. Quelle belle nouvelle, c'est ma félicitation. Oh. Voyons. Allons, sois chic. Tu n'y peux rien. Laissez-moi aller les féliciter. Va, ma petite fille. Alors, on boit à la santé des fiancés. Thank you.
est malade? Tu as du chagrin? Tu l'aimes? Je te demande pardon. Je veux mourir. Je l'aime. Et il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Et il m'a dit qu'il m'aimait. T'as dit qu'il t'aimait? Il me l'a dit. Avec des mots très doux. Et je faisais des rêves très beaux. Des rêves comme j'en faisais à 16 ans. Tu te rappelles? Pardonne-moi. Pardonne-moi, il fallait que je sois forte, que tu ne saches rien, que tu ignores toujours. Toi, il t'aime, j'en suis sûre. Toi, il peut t'aimer. Tu es si belle, tu es si bonne. Moi, je suis une chanteuse, une artiste. Ça ne tire pas conséquence puisque nous n'avons pas de cœur. Il fallait pas le croire, c'est ma faute. Toi, ce n'est pas la même chose. Il ne pourra jamais cesser de t'aimer. Je suis venu ici tout droit. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vous parle. Je suis contente que vous soyez venu. Tu me dis vous maintenant. Ce sera peut-être plus facile. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qui sera plus facile? Il faut que tu partes. Que tu t'en ailles et que tu ne reviennes jamais. Mais tu m'aimes pourtant. Ose dire que tu ne m'aimes pas. Oh, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Je ne sais pas ce que Monique t'a dit. Je ne veux même pas essayer d'imaginer. Je t'ai dit la vérité au sujet de Monique. Toute la vérité qui importe. Tu devais me croire. Il aurait fallu que tu le croies toute ta vie. Je t'aime, Hélène. Jamais je ne cesserai de t'aimer. Mais je m'en vais. Je m'en vais et je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus. Mais je t'attendrai. Adieu, Hélène. C'est impossible, voyons. Hélène et Roger? Je t'assure. Trop raisonnable. Hein? Je dois rentrer bientôt à Montréal. Pas déjà? Toi? Il le faut. Je rentre. Voici ce que je vous dois. Merci. Comment? Vous partez, vous aussi? Je m'excuse. Merci, capitaine. Quand même.
Je pars, tout de suite. C'est toi? Oui. Ça va? Ça va très bien. Non. Ça ne va pas. Mais puisque je te dis que ça va très bien. Et toi? Tu es toujours heureux? Avec Monique? J'avais un grand amour que je ne pouvais faire servir qu'une fois. Il a fallu que je n'aie pas de chance, que je m'en serve pour aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui n'est même pas digne d'un amour comme celui-là. Parce que tu sais, c'était quelque chose de très beau, cet amour-là. Dommage. Oui, dommage qu'il ne servit à rien qu'à me rendre malheureux, ridicule et touchant. Tu pourrais te ressaisir, mon vieux. Un autre peut-être, pas moi. Nous sommes un certain nombre comme ça condamnés d'avance. Il paraît que nous sommes généralement des comiques. Et ça aussi, c'est très très drôle. Il y a plus drôle que ça. Tu ne comprends pas? Attends, je vais t'expliquer. Moi, j'aime. On aime et on me renvoie. Veux-tu savoir pourquoi? C'est simple. Parce qu'on est raisonnable. Parce qu'on croit aux statistiques. Parce qu'on n'aime pas le risque. Tu ne comprends pas? Mais comprends donc qu'il y a des statistiques de l'amour. Tel pourcentage de mariages malheureux, tel pourcentage de mariages pas heureux, tel pourcentage de mariages pas assez heureux. Et puis, il y a les embêtements. Tu comprends, quand on est une jeune fille raisonnable, on ne se fie pas à l'amour. Pas plus qu'on compte sur un billet de loterie pour s'enrichir. Tu as au moins la consolation de savoir qu'elle souffre pour toi. Tu penses? Elle est bien trop raisonnable pour ça. Et malheureuse, hein? Je suppose que ça passera. Et quand ça aura passé? Ce sera comme avant. Non. Tu pourras jamais plus être comme avant. Avant, tu rêvais à l'amour. Maintenant, tu y penseras. Crois-moi, c'est pas la même chose. La vieille bête qui te parle a laissé passer l'amour. Faut pas. Tu vois, on s'en va dans la vie en pensant cet amour-là, et puis on vieillit tout seul. Pas gai. C'est la vie qui n'est pas gai. Il y a ceux aussi qui ont accepté l'amour et qui sont malheureux. Plus malheureux que les autres. Sans ceux qui se sont trompés. Eh bien, moi, je ne veux pas me tromper. Tu l'aimes pas? Il t'aime pas? Croyons, nous aimons. Je te connais depuis très longtemps. Tu étais une toute petite fille quand je suis venu ici. Je
t'ai vu grandir. Je connais toutes tes pensées. Je sais quel beau rêve t'as fait. Je sais quelle image de l'amour tu t'es faite. Je rêvais d'un amour pas comme les autres. D'un amour tout neuf qui n'aurait pas servi. Pas même à des jeux qui ne sont pas l'amour. J'offrais un cœur neuf. C'est un cœur neuf que je voulais en retour. Je l'attendais. Il aurait fallu qu'il attende lui aussi. Il faut venir à l'amour avec humilité. Tu crois avoir un cœur neuf à offrir? Pourtant, il a servi. T'as aimé un homme idéal, un homme que t'as inventé, mais qui a la vie dure. C'est Roger qui aura le droit d'être jaloux. Lui, il n'a jamais aimé autant que t'aimes. Toi, tu pourras jamais l'aimer comme t'as aimé cet homme que tu t'es fabriqué. Il est trop tard maintenant. Mais non, il n'est pas trop tard. Je suis sûr qu'il t'attend et qu'il t'attendra toute la vie. Mais ne le fais pas attendre trop longtemps. Va. Va, Hélène. Oublie ton orgueil. Oublie toutes les conventions. Ne pense plus qu'à ton amour, qu'à ton bonheur. Va. Allô. Mais c'est Monsieur Mathias lui-même. Je ne suis pas en retard. Je sais l'heure qu'il est, mais je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard parce que je ne viendrai pas. Ni ce soir, ni demain, ni jamais. Toujours aimé. Je le sais maintenant. Tu n'auras plus à être jaloux de l'image que je m'étais faite de toi dans mon cœur. Mais il fallait que je consente à t'aimer pour te reconnaître. Seulement, vois-tu, mon chéri, tu étais là, si près, tellement plus près que dans mon rêve, que je ne te reconnaissais plus. Mais puisque je t'aimais, il fallait que ce fût toi. Et maintenant, je pense que je serais bien malheureuse si je t'avais reconnue et que tu ne m'aimes pas. Mais je t'aime. Et maintenant, je sais que tu m'aimes. Je me sens plus digne de toi. Nous essaierons ensemble d'être dignes d'un très grand amour. Le reste viendra par surcroît.
qu'est-ce qui te prend? Tu es sous? Nous passons dans un quart d'heure. Toi, pas moi. Comment pas toi? Pas moi. Oh. Tu m'en veux parce que je ne t'ai pas emmené à Saint-Adèle? Idiot, tu sais bien que je ne pouvais pas. Puis, tu devrais être content. Je me suis ennuyée de toi. Je n'ai pas attendu à ce soir pour revenir. Je suis revenue tout de suite à midi, il n'était pas une heure. J'ai téléphoné, mais tu n'étais pas là. Et puis, tu ne sais pas qui j'ai vu là-bas. Il était chez mes tantes. Mais oui, Roger. C'est un peu pour ça que je suis revenue tout de suite. Il m'a presque fait une scène de larmes. À l'entendre, mon pauvre chéri, on jurait qu'il croit que tu t'es servi d'un filtre mystérieux pour te faire aimer de moi. Il ne trouve pas ça drôle. Oh, tu sais, au fond, je n'ai pas tellement le sens de l'humour. Et elle était si fière, ma tante Hélène. Si pure. Et si fière de sa pureté qu'elle me méprisait. Et je la trouve dans une garçonnière. Et si loin de chez elle, dans la grande ville. On a le goût d'anticiper, ma petite tante. Oui. Il est beau garçon. Et il parle bien. J'en sais quelque chose. Je l'ai cru avant toi, moi. Mais j'aurais cru que tu valais mieux que les restes. Même les miens. Et tu ne comprends donc pas que nous nous aimons. Et contre ça, tu ne peux rien. Tu ne peux même plus me faire de peine. Parce que je sais maintenant que tu n'aimes pas. Mais tant pis pour toi si tu l'aimes plus que moi. Tant pis pour toi parce qu'il te fera souffrir davantage. Et c'est pour ça que je peux m'en aller contente. J'aurais peut-être été malheureuse. Je l'ai été. Mais je sais maintenant qu'il te fera souffrir bien plus que moi. Je te le souhaite. Tu viens? Oui. Jusqu'à la porte. C'est encore Noël. C'est une fête que l'on doit passer en famille. Et je n'ai pas d'autre famille que la tienne. Je crois que nous avons encore le temps d'arriver. Perdent soudain leur éclat.
ma fenêtre se dissipait.